Salut et bienvenue chez Gian Nevada pour une toute nouvelle vidéo sur Shadow of the Tomb Raider pour la suite de ce Let's Play en compagnie de... comment il s'appelle déjà lui? Judas? Judas? Merde, non, Judas, non, c'est pas lui. Merde, comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref. En tout cas, elle est en train de se rincer l'œil sur ma petite Lara Croft. Et j'aime pas du tout ça car je suis super jaloux. Enfin bref, non. Bon, on continue l'aventure, c'est parti. T'es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Oh. Assez haut. Oh, oh attention quand même. On y est presque. Balcon. J'ai déjà entendu ça. Non, je te tiens. Waouh. Oh oh oh. Ça va aller. Oh là là. Ça va. Plus que quelques pas. Okay. Mais qu'est-ce qu'elle est maladroite dans cet épisode hein. Tout va bien? Ça va, je gère. Bon, elle est folle où là maintenant? D'après toi, qui a bâti tout ça? Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. J'espère que cette structure est là. Mais attends, il y a quelque chose par là, attends. Moi aussi. Le pont est abaissé. Il faudrait peut-être remonter avec ses contrepoids. Peut-être. Alors. Ah, y'a un truc là. Bon, y'a rien. En bas, y'a rien. Ok, bon, ok, super. Allez, c'est parti. J'imagine que cette eau-là est potable. Tu veux essayer? Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. J'ai du mal à comprendre. Sûrement une sorte de dialecte. Tu vois, si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux écouté pendant l'année où j'étais chez les scouts. T'aimais pas ça? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas Jonah beaucoup qui s'appelle, voilà, c'est Jonah qui s'appelle. Voilà, faut faire quoi je ici? Je trouverais peut-être une vanne si je grimpe en haut de ce château d'eau. Ah d'accord. Déjà, on va faire ça. Et toi? T'as jamais été chez les scouts ou fait des camps de vacances? Être en pension, ça compte? Je sais pas, d'après toi. Sans doute que non. Mais Ross m'a appris les bases. J'ai toujours préféré la compagnie des adultes, de toute façon. Ah ah. Petite cochonne, hein, Lara, quand même, hein. Hé hey, ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Ok, on y va. C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. L'eau vient remplir le seau. Parfait. Voyons à quoi servent ces contrepoids. Ah merde, ça remonte. Le seau fuit. Très bien. On va réessayer. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah. Désolé, hein, s'il y a une petite coupure, mais... C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Et voilà. On peut traverser. Ah oui, en fait, il fallait aller très 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 vite, en fait.
Voilà. Bon. Allez, il m'a même pas attendu, d'accord, lui, ok. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. Il est galant, ça va, il est galant. Il y a un danger, s'il y a un danger, bah vas-y, fais-toi bouffer, hein. Bon. On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Bon, bah allez, bah on y va. On se rapproche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. Ah, c'est énervant, vous, désolé, le téléphone qui sonne derrière. Hein. Celui-là, on va le dépucer. C'est pas le même genre de ruine qu'au Mexique. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou. Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou, Paititi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Nouveau feu de camp découvert, ok. Il avait changé d'avis ou... Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie. Voilà, bon, écoutez, on va changer de tenue. Je suis soulagée d'avoir retrouvé Jonah. Compétence. Surtout après ce que Miguel. Au moins, Jonah m'a pas demandé ce qui s'était passé. Les jaguars, je veux pas qu'ils s'inquiètent. On doit rester concentrés si on veut garder notre avance sur les Trinitaires. J'ai un point de compétence, mais je peux même pas l'utiliser. D'accord, ouais, ok. J'ai compris. Bon. Allez, tenue. Non, mais ça c'est... Oh, celle-là, on va pas mettre celle-là quand même. Commando. Voilà, non, mais celle-là, vas-y, on va l'habiller comme ça. Ouais, voilà, c'est bien comme ça. Alors, bon, on va continuer. Hein. Et vous voyez, on voit mieux, c'est... on voit mieux la forme de ces. Non, je rigole. Allez, on continue. Il faut aller où maintenant? Eh, attendez. On va voir que j'arrête de. J'ai trouvé tous les coffres. Que c'est un let's play à la base. Partir par là. Ah bon? Ah, viens alors. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Oh non! Johnny!
Dépêche-toi, Jonah, elle est en train de se faire bouffer. Où cet enculé? Putain, mais ferme ta gueule, toi, dégage! Vas-y, il est plein de flèches de partout et l'autre il est un peu encore mort. Putain! Pas bête, elle a fait le bouffer quand même. Attends, attends. Ouais, bah attends, Jonah, deux minutes. Ça va aller. Je veux bien que tu m'aides. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement.
Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui? C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêchée d'être curieuse, bien sûr. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ichel pour refaire le monde. Si toi tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver? Et perdre tout le reste? Non, non. J'aime bien ce monde. C'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Pour prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. Lara, j'avance tes exercices de marche. L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini! Non! Les murailles du château l'appellent. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On va devoir contrôler Lara Croft quand elle était toute petite. Eh mais trop bien. Eh ça te défend, c'est trop marrant. Allez c'est parti. Notre héroïne croise d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. Oui bah oui, c'est clair qu'elles étaient sanguinaires. Ah ouais, je dois faire quoi là encore? Alors attendez.
déjà escaladé, d'accord, ok, c'est tranquille. Hein. Ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi. Elle a un peu... Mais quel est le rapport avec Lara? Elle est dans sa chambre, elle fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de temps. La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. Oui, bah tu vas voir. Eh, mais déjà en étant petite, elle était déjà douée, hein, la petite, hein. La tour du château est plus haute qu'attendue. Notre héroïne continue son ascension pour trouver une entrée. Mais non, mais arrête, Lara, tu vas tomber. Notre héroïne remarque une autre entrée. Pourquoi les enfants, ils font toujours à leur tête. Les enfants toujours qu'à leur tête. Jeune Lara risque une chute mortelle en avançant, mais elle fait le vide dans son esprit. Oh. La jeune Lara va se casser la gueule, donc on va rigoler. Ou se faire... Bah voilà. C'est là. Elle reprend l'équilibre et sa progression. Direction la tombe interdite. Les parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher. Mais un champ de force invisible l'empêche d'avancer. Elle doit trouver une autre entrée. Toi, je suis où, là? Attends, attendez. Notre intrépide aventurière a atteint le sommet. Plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Oui, bah oui. Mais dans quoi je m'embarque encore? Oh merde! Rattrape-toi! Ah! Bravo! T'as failli te tuer quand même. Faut aller où maintenant? Enfin, elle pénètre dans la tombe interdite. De nuit,
La chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Je dois trouver 30 degrés nord et 90 degrés est sur le globe. Ah, elle a dit quoi? Putain, j'ai rien compris. L'objectif. Je dois trouver 30 degrés nord et 90 degrés est sur le globe. 30 degrés nord. Je dois trouver 30 degrés nord et 90 degrés est sur le globe. 90 degrés. 90 degrés est. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Ça a marché. Je dois trouver la reine blanche. C'est bon. Croft a rejoint la mezzanine interdite. Elle va devoir se méfier. Je n'avais jamais vu certains de ces artefacts avant. Les ailes de la chauve-souris se déploient. Je dois mettre les chevaliers avec un bouclier en position. En position. Je dois mettre les chevaliers avec un bouclier en position. Ils sont déjà en position. Le bouclier du chevalier réfléchit le rayon de lumière. Ça, c'est pas dur. Hein. C'est pas dur, mais je réécoute bien à chaque fois parce que bon. J'ai l'impression de jouer aux dames. Allez. La voilà. La reine blanche. Prise au piège. Je dois l'aider. Avec le globe, je peux retirer l'échelle. Le globe, je peux retirer l'échelle. Avec le globe, je peux retirer l'échelle. Maintenant, je peux la libérer. Il
faut tirer la reine blanche vers les chevaliers rouges. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Allez, attends. Toi, tu dégages. Je crois qu'il faut pas les mettre n'importe où, mais bon. L'aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. C'est à maman. La voix est hantée. Par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit « Non, je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien. » Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche un T-Rex en Égypte. Et papa, il est où ? Au travail. Je suis sur le point. Tu es toujours sur le point. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession ? Mon obsession ? Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Tu pourrais pas te réjouir de ce que tu as. Oh, mais bon sang ! Rien ne vous oblige à vous... Papa ? Non, je vous en prie. Vous devez comprendre, c'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes. Bon, ok, qu'est-ce que je dois... Qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa ! Donc une montagne couronnée d'argent. Ouais. Ah là 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 là.
Bon bah voilà, en tout cas, nous avons fait face à au jaguar et nous, ou au puma, comme vous voulez. Moi je dis que c'est un jaguar parce qu'un puma c'est noir. Et Jonah qui part tranquillement, lui, donc voilà. Bon, bah en tout cas, tout ce qu'on va faire, c'est que nous allons donner fin à cet épisode. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi c'était nickel. J'adorais voir un petit bout d'enfance, de Clara, de Lara. On a compris comment son père est mort, et il est mort d'une balle dans la tête. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, pour moi, ça a été nickel. N'oubliez pas de laisser le petit like et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'était John Nevada pour vous servir. Buscavida.